ont pensé à vous. Parce que les autres ont décidé de quitter leur confort. Parce qu'ils ont décidé de quitter leur pays, leur situation. Et ils ont dit allons-y vers les autres. Allons-y aider les autres. Le châtiment qui tombe sur les autres tombe sur vous et sur votre famille. Mais ça n'intéresse personne. Parce que c'est pour les autres. Parce que c'est l'affaire des autres. Ésaïe 14. Ésaïe 14 nous dit, Ésaïe chapitre 14, nous explique comment Satan a fait pour devenir Satan. Alléluia. Comment Satan a fait, à partir de verset 13 à 14. Le verset 13 à 14 avait dit, tu disais en ton cœur, Satan disait en son cœur, je monterai au ciel, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône, je lèverai mon trône, au-dessus des étoiles de Dieu, au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée. La montagne de l'Assemblée. À l'extrémité du septentrion. À l'extrémité. Je monterai sur le sommet des nuées. Sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. C'est comme ça qu'il est devenu Satan. Hein? C'est comme ça qu'il est devenu Satan. Tout le monde était en accord dans le ciel pour adorer Dieu. Tout le monde était en cœur, en unité parfaite pour adorer Dieu. Mais Satan a commencé à penser à lui-même. Je, pour moi, je vais faire mon truc. Je. Et quand il a commencé à penser comme ça, il s'est désolidarisé du corps de Dieu. Je vais monter au ciel. Je vais devenir comme Dieu. Je vais étendre. Je vais m'asseoir. Je. L'égoïsme est la nature même du diable. Le fait d'être centré sur soi-même, c'est la nature même de Satan. C'est comme ça que Lucifer est devenu Satan. Quand il a commencé à penser à lui. Les autres existent aussi. Philippiens chapitre 2. Alléluia. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Alléluia. À partir du verset 2. À partir du verset 2, la Bible. Si Jésus n'était pas venu, à cause de toi et moi, nous ne serions pas sauvés. Il a pensé aux autres. La Bible dit, Rendez ma joie parfaite. Ayant un même sentiment. La Bible nous exhorte à avoir quoi? Un même sentiment. L'ancien Christ va vous montrer, va venir vous expliquer dans quelques jours l'unité parfaite parmi les pharmaciens. Les francs-maçons, les gars-là, ils pensent pareillement. Ce que nous, on nous demande de faire, les francs-maçons-là,
Pareil. Ils ont même des gestes. Comment faire dans un magasin pour qu'on sache que tu es pharmacien et qu'on te diminue le prix. C'est-à-dire que quand le propriétaire du magasin te voit dans la position là, tu vois dans la position là, il sait que tu es un frère. Il faut te diminuer le prix. Lorsque tu es au tribunal, et qu'on va te juger, il y a une manière de positionner les pieds. C'est-à-dire que quand tu es devant, il va te positionner les pieds où le juge sait que tu es un frère. Tu dois à tout prix être acquitté. C'est-à-dire qu'ils sont dans les mêmes sentiments, les mêmes pensées, les mêmes objectifs. Et nous les chrétiens, c'est à nous qu'on a dit, ayez les mêmes sentiments. C'est à nous qu'on a dit, ayez le même amour. C'est à nous qu'on a dit, ayez une même âme. C'est à nous qu'on a dit, ayez une même pensée. C'est à nous qu'on a dit ça. Afin de prendre ce monde, afin d'envahir ce monde, c'est à l'église qu'on a dit ça. Les chrétiens sont dans la vision de leurs églises, les églises que les pasteurs ont établies. Les pasteurs ont établi chacun sa vision, et donc en fonction de la vision, on fait. Si la vision c'est le combat, et tu es dans l'église là, donc tu dois combattre. Tu dois tous les jours, tu es là, tu combats, et tu fais la nuit du carnage. Tu fais la nuit du carnage. Vous faites le carnage. On vous a demandé de faire le carnage. Yeah. Vous faites le carnage. Ok? Faites le carnage. Hey. Quand vous regardez ces passages-là, ce à quoi nous sommes appelés, le niveau est où? Nous sommes appelés à avoir quoi? Le même sentiment. Ayez les sentiments qui étaient en Christ. Soyez tous habités des mêmes sentiments. On ne nous demande pas de faire chacun son truc. On ne nous demande pas de voir Dieu à sa manière. Chacun à sa manière. On ne nous demande pas d'aimer Dieu. Chacun à sa manière. On nous demande d'être animé du même degré, du même amour. On nous demande d'avoir les mêmes ressentis, la même âme. Dans l'âme, il y a des pensées, il y a la volonté, il y a les ressentis, il y a tout. La même âme, pareil. On nous demande d'avoir la même image de l'intelligence. La pensée, c'est l'image de l'intelligence. L'image de l'intelligence est capable de créer. On nous dit que ayez dans votre tête les mêmes images avec votre intelligence que votre frère. Le problème du Cameroun, c'est l'église que nous sommes. C'est pas sûr que nous sommes vraiment chrétiens. La situation du pays peut nous dire. Les personnes les moins concernées par ce qui arrive au Cameroun sont les chrétiens en général. Les moins concernés. Et je veux vous montrer les preuves demain que les chrétiens sont les moins concernés. On nous demande encore quoi? Verset 3. Ne faites rien par esprit de parti. Ne faites quoi? Rien par esprit de parti. On nous dit que nous, on n'est pas des partis politiques. Le texte dit que nous ne sommes pas des partis politiques. Oui. Nous ne devons pas avoir nos bords, notre manière de faire, nos bords. Oh, moi je suis de tel groupe. Oh, moi je suis de non. Le texte dit non. Ne soyez pas comme des partis politiques. Oui. Ne faites pas les choses. Ne faites pas. C'est pourquoi, tu as quelqu'un la brochure. Il va te demander, ça c'est encore quelle église? Ça c'est encore quelle église? Est-ce qu'on te parle d'église? C'est quoi ton problème? C'est parce que le Seigneur nous pose qu'on se bêtise.
C'est parce que le Seigneur nous demande de nous maîtriser. Tu nous as donné la brochure. La brochure dit le Gabon a besoin de Dieu. Qui peut aider le Gabon dans l'état où on se trouve là? Seul Dieu. Ouais. On te donne une brochure sur le Gabon. Tu dis, ça s'appelle quelle église? Parce que moi je suis catholique. Ça s'appelle quelle église? Yeah. Tu vois? Vous voyez le fou? C'est parce que Dieu nous demande de nous maîtriser. Sinon, on connaît Jésus. On connaît Jésus. Tu es quoi? Catholique. Est-ce que tu connais même la signification du mot catholique? Tu ne connais même pas la signification. Tu es catholique. Tu es catholique quoi? On ne veut rien faire par esprit de parti ou par vaine gloire. Ou par envie de se faire voir. Moi, c'est pourquoi je vous ai dit, faut pas suivre la même foi nos appels là. Ce n'est pas l'appel au sacrifice, nos appels qu'on a dans les églises là. Oh, je sens que Dieu m'appelle. Ce n'est pas l'appel au sacrifice. Ce n'est pas l'appel au sacrifice, c'est la vaine gloire. C'est pour être vu des autres. C'est pour que les autres sachent que Dieu t'a appelé, que tu es un truc que les autres n'ont pas, que tu es un appelé spécial. Au fond, c'est ça. C'est la vaine gloire. C'est pourquoi en même temps nous sommes appelés, en même temps nous voulons tous les privilèges. Et j'ai dit, je vous ai appelé, les missionnaires là, vous allez aller partout à l'intérieur. C'est des fois des coups de fil. Oui, poussier, voilà, on est venu ici, mais je suis au village, il me manque le lait, Nino, je n'ai pas besoin du lait déchiré, moi je marche le lait, Nino, parce que ton enfant. Nos appels, nos visions sont égoïstes. Je suis dans le lit de la vision. Dieu m'appelle pour confesser son nom. Je sens que Dieu m'appelle pour confesser son nom. Alors Dieu t'appelle comment? Il m'appelle, il m'a montré comme des grands bâtiments, des buildings où je devais être envoyé. Pour que les chrétiens aillent faire ton marché.
que ce ne soit pas pour une veste noire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres. Qui? Les autres. Qui? Les autres. Comme étant au-dessus de vous-même.